Donc, on, revenons sur cette histoire dont on a parlé un peu plus tôt euh, et qui euh, soulève toutes sortes de réactions à Québec. Donc, cet ex-moteur influent, donc, euh, abattu euh, par balle un peu plus tôt aujourd'hui, euh, Michel Guérin, Michel dunn euh, Guérin, qui a été abattu de plusieurs coups de feu tirés au, au poitrail. 6h30 ce matin, quand les policiers ont été appelés sur place. Ce n'est pas le premier euh, moteur et membre du crime organisé à, à subir ce sort. Euh, ça se multiplie. On en parle avec Félix Seguin. Donc, euh, salut Félix et merci d'être avec nous. Euh, donc, donc on, euh, je disais, euh, lui, en fait, c'était le chef de l'ancien groupe de moteurs associé aux Wells, euh, les mercenaires. Euh, c'est quoi son rôle dans le crime organisé à Québec? Euh, il a un rôle très, très, très important. C'est pourquoi c'est une journée qui marque un point de bascule, affirment euh, les sources policières, dans la criminalité organisée dans la région de la capitale nationale. Alors, pour histoire, euh, vous l'avez bien dit, Michel, c'était un ancien mercenaire, euh, M. Guérin. M. Guérin, il était. Dans les mercenaires là, dans les années 80, sauf que durant les années 90, ces fameux mercenaires, ces motards ont été avalés, si l'on veut, par le club des Hells Angels de Québec, le chapitre de Québec des Hells Angels. Alors, plusieurs des Hells Angels actuels étaient à l'époque aussi des mercenaires. Sauf que euh, Guérin n'a jamais été, lui, un Hells Angels. Mais néanmoins, c'est pas parce qu'il n'était pas un membre en règle d'une organisation euh, de motards criminels qui n'avait pas d'influence. On le décrit, et les différents services de renseignement criminels le décrivent comme un courtier en cocaïne. Ça veut donc dire qu'il s'approvisionne, euh, pense-t-on, à la source et est capable d'importer de très grandes quantités, mais fait aussi dans le prêt usuraire, fait même dans le prêt légal, euh, mais à haut taux d'intérêt, euh, recouvrement de dettes, et etc. Et ce qu'on dit, au fond, c'est que au cours des dernières années, c'est là où ça devient très important, c'est que Guérin était un peu l'arbitre de certains conflits dans la vieille capitale, des conflits entre les Hells Angels et certains membres des gangs de rue. Bon, on dit que dans la région de Québec, justement, il y a ces conflits entre Hells Angels, euh, gangs de rue, sont son, son meurtres comme ça, euh, tôt aujourd'hui euh, à Charlebourg. Ça nous envoie quoi comme, comme, comme message? C'est qu'il y a véritablement des conflits entre les gangs de rue euh, et les Hells Angels. Euh, le conflit réside euh, selon euh, des sources qui s'étaient confiées à ma collègue Catherine Lamontagne, à mon collègue Éric Thibault, à moi-même aussi, dans le fait assez simple qu'au Québec, ce sont les Hells Angels qui, dans toute la province, ou presque, contrôlent le marché des stupéfiants. Et quiconque veut vendre sur le territoire des Hells Angels doit payer une taxe au fameux moteur criminel. La taxe, normalement, on parle du fameux 10 donc 10 des recettes d'un trafiquant de drogue sera payé aux, aux Hells Angels pour être capable de continuer à travailler et vendre des drogues. Maintenant, depuis euh, avant le début de l'été, il y a un conflit sur cet enjeu bien précis entre des joueurs indépendants. Aussi des gens qui sont liés à des gangs de rue, dont certains de Montréal, qui refusent de payer cette taxe sur les produits. Mmh. Alors, euh, ça, ça fait en sorte que l'autorité des Hells Angels est ouvertement défiée dans la région de Québec. Et ça, on n'a pas vu ça depuis la guerre des motards, Michel. Bon. Est-ce que euh, l'assassinat de Michel Guérin, il y a un lien avec Grégory Woolley, qui lui aussi est assassiné récemment? Bon, euh, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des membres de gangs de rue qui officiaient à Québec qui étaient proches de Grégory Woolley. Ce qu'on sait également, c'est que euh, dans les hypothèses policières pour expliquer le meurtre de Grégory Woolley, il y a celle que certains membres du crime organisé trouvent que lui et certains gangs auraient pris peut-être un peu trop de place et on aurait aura voulu le mettre hors-circuit. Cette hypothèse-là reste à être testée d'abord devant le tribunal. Ensuite, par le renseignement criminel de la police, parce que Grégory Woolley n'avait pas que des amis, bien sûr. En fait, il s'était fait beaucoup d'ennemis, dont des gens qui ne sont pas dans, dans les Hells Angels, dans d'autres sphères de la criminalité. Alors, il y a peut-être un lien, trop tôt, disent les policiers, pour, pour le, le, le tisser, là, puis l'attacher très, très serré, ce lien-là. Mais ouais. certainement qu'à Québec, euh, on parle aujourd'hui, en tout cas, les sources policières par de point de bascule, parce que c'est... C'est probablement un des joueurs les plus importants. Oui, on va terminer là-dessus. Félix, est-ce que je comprends donc que ça se passe à Québec oui. et que euh, sans, sans qu'il y ait un lien avec les assassinats qu'on a vus au cours des dernières semaines, ça montre quand même qu'il y a des tensions parce que s'il si, euh, y a des groupes qui ne respectent pas les Hells Angels, ce qui était difficile à faire auparavant, c'est signe que peut-être les joueurs sont en train de changer, de, 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 les enjeux de changer. Là. Bien oui, et il euh, y a Quelques raisons pour ça. C'est que les Hells Angels du chapitre de Québec, euh, il semble, selon encore une fois des policiers qui n'étaient pas autorisés à parler aux médias que l'on a consulté, ont laissé un peu, euh, n'ont non pas vaqué à préserver leur autorité, l'autorité d'un chapitre vieillissant. D'ailleurs, plusieurs membres des Hell's Angels là sont pas loin de la retraite criminelle. En tout cas, il y a même des gens qui sont les fils des Hell's Angels qui sont maintenant membres du chapitre. C'est la relève, sauf qu'on dit que cette relève là, c'est peut-être pas occupé trop trop des affaires de la rue. Et les Hells Angels de, de la région de la capitale nationale auraient perdu en influence, plus facile à défier, disent ces, ces mêmes sources. Mm. Et c'est peut-être un peu la genèse de ce conflit aussi. Et donc, instabilité potentielle, bien sûr, dans ces, dans ces, ces milieux criminels. Merci beaucoup, Félix. Merci.